êtes-vous de bonne humeur? Oui! Pourquoi? Oh, il y a une autre petite question. Combien vous êtes? Ah, elle est tough, celle-là, hein? Elle est tough. OK, est-ce qu'il y a d'autres? Y a-tu. Voyons, je suis bête. Y a-tu d'autres questions que vous voulez qu'on vous pose? Lesquelles? Eh, monsieur, j'en profite à soir, non, hein? Non, non. OK, j'en ai une pour vous autres, moi. Êtes-vous. Êtes-vous prêts? Oui! Ben, allez-y. Il n'a pas pogné, hein? OK. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui, Oui? Y en a-tu d'autres? Il n'a pas encore pogné, toi. OK. Est-ce qu'il y a des gens, disons, qui viennent de Maniwaki ou, Oui, ça paraît. OK. Il n'a pas pogné, hein? OK. Ou qui sont déjà allés à Maniwaki ou Maniwaki, on s'en sert pas mal. Hey, on a un groupe de 500 newfies qui sont venus nous voir à soir. Ouais, mais ils sont venus en autobus, puis ont décidé de rester dans les autobus pour pouvoir partir plus vite après le spectacle, t'sais. J'aurais aimé ça pousser celle-là, moi. OK. Pas encore, hein? OK. On a également un groupe de gens qui sont à faire les films ce soir et qui vont rester là tout le long du spectacle, alors merci beaucoup. Là. On a un groupe d'anglophones dans la salle aussi à soir. Moi, je parle pas l'anglais. Je le comprends très bien, par exemple. Mais toi, me semble que tu le parles bien anglais, Je le comprends pas, mais je le parle très bien, tu sais. Devant c'est beau. Peut-être que tu pourrais leur glisser un mot ou deux, là, hein? On va commencer par un, tu sais. Manger des spotés d'abord. Hein? Ah oui, c'est qui sont, là? Ah, mon Dieu, ils sont là. Look at the ear, I'm gonna joke you. Hi. Non. Donc tu l'as bien prononcé, ouais, hein? Oui. J'ai pas compris, mais tu l'as bien prononcé, tu sais. Moi, essayez, moi, je parle pas, donc. D'où Didi? D'où, tu sais? How. Donc, je fais pas mal. J'ai de la poignée. OK, how? Go to hell. Fuck you, OK! Il est en poignée, je vais t'habituer à celle-là. Bon, on n'a pas juste des questions, on a également des blagues pour vous ce soir, des blagues. Ouais, on va faire un petit test de blagues, OK? On va diviser la salle en deux, là. Disons, à partir de ma main qui est là, OK? Là, tout ce côté-là, là, vous pouvez rire, OK? Sur l'autre côté, vous ne voyez pas pantoute, pantoute, OK? Regardez le mur, je vous dis. On va faire une joke pour ça. Allez, on n'a plus de joke, là. On a fait les gros, c'est pas mal. Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui a l'air fou dans la salle, là? Oh, monsieur! Hey, lève-toi de bout, ça va rire en sacrifice, bon là, je te dis. Non, pas toi. Oh mon Dieu, je t'avais pas vu, t'es pire que l'autre, toi. Hey, tu devrais faire l'équipe avec l'autre, ben maudit duo, je te dis, ouais. Oui, Wong. OK, on va aller à l'autre bord, maintenant. L'autre bord. Hey, monsieur. T'es dur à battre, toi, hein? T'irais pas à l'autre bord deux minutes, s'il vous plaît, hein? Il l'a pogné. OK. Mais c'est pas concluant comme test. On va faire un petit test écrit. On va faire un petit test écrit à la place. Alors, concentrez-vous bien, là. Première question. Lorsque vous faites l'amour auprès de votre partenaire... Oh boy. A, est-il au courant? B, se sauve-t-il en courant? Ou C, utilisez-vous du courant? C'est A et C. OK. OK, j'en ai une pour vous autres, moi, ici. Si une femme a besoin de 3 hommes pour atteindre le Nivea sexuel en auto, de combien d'hommes aura-t-elle de besoin si son mari possède seulement son permis temporaire? Mesdames et messieurs, l'impénétrable Daniel Lemire!
Merci. Merci very much. Non. Ici Grippette Tremblay. On a eu du fun à date, là, mais il sera peut-être temps de penser à quelque chose de plus sérieux. Question de montrer que j'ai point quotient et deux chiffres quand même, là. Alors, on est maintenant rendu au 5 à 7 de l'information. C'est-à-dire que je prends de 5 à 7 minutes dans le spectacle pour parler d'un sujet. Et ce soir, on a un sujet brûlant d'actualité, c'est-à-dire la politique en Amérique du Sud. Je me rappelle pas du pays précisément, là, mais en tout cas, on va aller voir sur le Globe, c'est une affaire de rien. Alors, si vous regardez, vous pouvez voir. Hein? Déjà ça. Tout d'abord, ici, le Québec. Vous voyez, moi, je demeure là, à peu près. Un petit 3,5 pour chauffer sur Partenay. Qui est à sous-louer en passant. C'est parce que moi, je l'avais loué sous, justement. C'est une autre histoire, ça. Ensuite, un petit peu plus bas, on peut voir les United States. Hein? Dans tous ces États. Et pas mal plus bas que ça, il y a le pied du globe, mais un petit peu avant, là. Ça doit être un de ceux-là. Là. D'après moi, il doit être situé à l'extrême droite. Hein? Comme rien. Et au sud de l'Amérique du Nord. OK? Alors, c'est assez simple, ça me semble. Parfait. Voilà. Je vous remercie mille fois. Alors, c'est un pays que je connais très bien pour avoir un beau-frère qui l'a visité. Il a d'ailleurs fait un splendide diaporama là-dessus, intitulé Voyager sur la slide. Qui avait eu un succès assez monstrueux, quand même, faut bien dire. Mais surtout grâce à une conférence que je suis allé voir du général Alfonso Miorides Foutez dans le cadre de la série Les grands exploiteurs. Un bonhomme fort et sympathique. Alors bref, c'est pas le Pérou, mais quand même, tu sais. C'est un pays en voie de sous-développement, et puis... le revenu par des capitaux est assez élevé, quand même, tu sais. On va en parler plus en détail, parce que c'est assez général, tout ça, là. Ensuite de ça, depuis une couple d'années, ils ont plein de constructions modernes, hein? Alors, ça repousse comme des champignons. Maintenant, ils ont une centrale mononucléaire, là, avec plein de turbines, là, pour faire de l'électricité. Ils ont un immense palais des congrès, hein? C'est très bien voir, ici, c'est une splendeur, hein? Ils ont une autoroute aussi maintenant, la transamazonienne, qu'on aperçoit très bien ici. Ils ont fait ça à sens unique, mais en tout cas, ça ne voyage pas beaucoup là-bas, de toute façon. Alors, c'est quand même une splendeur. Il y a le côté culturel aussi qui est très important. Là-bas, il y a plein d'activités, hein? Il y a des défoulés militaires. Je crois qu'il y en a ici aussi, mais c'est déjà pas ça. Ça donne bien, j'avais un blanc. Là. Des courses de chars d'assaut, c'est la grosse musique sur la plage. Hey, regarde-moi les colonnes de son, tout chaud. D'ailleurs, c'est tellement fort, on peut voir la mer qui refoule vers l'extérieur. C'est vraiment épeurant de voir ça. T'sais. Par contre, là-bas, ils n'ont pas vraiment de grandes salles à spectacle comme ici, la Place des Arts. Tu sais, eux autres, ils font ça en plein air. On pourrait appeler ça la Place des Lézards, peut-être, se mettre dans le contexte. Par contre, ils ont plein de petites boîtes à spectacle qui fonctionnent très, très bien. Hein? Comme ici, on en voit une, là, la hutte à Mathieu. Ça, c'est toujours plein, hein? On peut voir qu'il n'y a plus de place au balcon, là, c'est noir, c'est noir de monde. Alors, là, ils présentent toutes sortes d'affaires, tu sais, des concerts, du poumon généralisé, il y a du théâtre aussi, beaucoup de théâtre, comme ici, on peut voir une répétition des Belles-Sœurs qui a été montée. Et aussi, il y a le golf, il ne faudrait pas oublier ça. Comme ici, on peut voir le maire du village en train de finir son 18 sur
là, c'est sur le parcours du golfe du Mexique, là, je pense. On le voit ici avec son putter. Et, on peut voir le cadet qui tient la pine ici. Et le bœuf qui sert de voiturette, là, je pense. Non, mais je dis n'importe quoi. Mais... Non, mais en regardant ça, on peut constater qu'il est riche parce qu'il peut se payer un cadet. Mais dans le fond, c'est partout, ça, hein? No money, no cadet. Et aussi, là-bas, les gens sont très religieux. Je peux pas dire si c'est des cadets islamiques ou des témoins Jéro-là, là, mais... Eux autres, en tout cas, ils croient vraiment qu'il faut saigner les uns les autres. Hein? Alors, on va tomber dans le négatif maintenant. Je vais voir une pire que ça. Là-bas, il y a de la violence. Il ne faut pas se le cacher, ça fesse dans les coins. Non, non, mais il y a des révolutionnaires qui essayent de faire la gorilla, là, pas trop. Mais au moins, c'est des guerres très civiles, tu sais, puis... non, tu sais, ils se battent entre eux autres, au moins, ils n'écœurent pas personne avec ça, t'sais. Non, mais moi, en tout cas, je trouve ça moins pire qu'au Moyen-Orient, là, que t'as l'Égypte, l'Israël, puis la Palestine, tu sais, qui essayent de mettre l'armée de l'autre en Beyrouth, là, je te jure. En tout cas, ensuite de ça, il y a la condition de la femme qui fait dur. Mais ça, c'est partout. Ah, mollo, les gars. Non, mais même ici, la traite des blanches existe encore, hein? Ah oui, c'était écrit noir sur blanc dans le journal la semaine dernière, écoutez bien ça. En 83, les grosses américaines se vendent moins bien que les petites japonaises. Non, j'ai pas eu le temps de lire l'article, là. Dénommé Jacques Duval, il dit ça. Ça doit savoir de quoi qui passe, mais c'est assez écœurant, hein? Et aussi, il y a de la maladie, des maladies honteuses, surtout, là, des maladies tévénériennes, qu'on appelle. Là. Mais ça, je pense, c'est un des gros problèmes de notre civilisation moderne, c'est... Non, mais je pense que quand on parle de ça, on touche un gros bobo, hein? Faut pas se le cacher. Et... pour terminer, il y a de la pauvreté. Oh, il y en a dans les villages, là. C'est pauvre comme un job, c'est vraiment... Comme on en voit un ici, là, sur le seuil de sa pauvreté, là. C'est le gars trop cassé pour passer à la porte, c'est vrai. Je sais pas comment vous faites pour rire, vous autres. En tout cas, c'est vraiment pas reposant. En tout cas. Mais pour en venir au général que je parlais tantôt, avec qui j'ai eu un long entretien, oh, on s'est entretués une bonne quinzaine de minutes. Et, non, mais tu voyais qu'il était ému de bonhomme, il y en avait les armes aux yeux, c'est pour maintenant. Mais lui, il me disait que son pays évoluait, mais qu'est-ce que tu veux, tranquillement, hein, à pas de torture, tu sais. Alors voilà, c'est pas mal tout ce qui en est pour ce pays-là. Au prochain 5 à 7, on va plutôt parler de l'Inde, qui est un pays où j'aimerais bien aller un jour, ou deux, là, dépendant de mon horaire. C'est assez cher, monter là, quand même. Mais faut pas se leurrer, hein, c'est vraiment un pays très difficile. Là-bas, les gens, ça meurt de faim dans les restaurants, puis tout ça. Je crois que c'est un peu normal, il y a tellement de mouches à nourrir. Hein? Ah voilà, un autre bon voyage en perspective. Et d'ici là, ben écoutez, portez-vous. Bonsoir.
Vous me reconnaissez? Sans mes plasters, bien peu de gens me reconnaissent. Mon nom est Guiguet. C'est vrai, vous m'avez connu avec un visage beaucoup plus sombre. J'ai déjà eu un herpès. J'ai pris de l'acide. Ma vie se déroulait un peu comme une partie de hockey coachée par Bob Berry. D'ailleurs, on m'appelait le Black Berry dans les milieux underground. Mais, aujourd'hui, tout a changé depuis que j'ai découvert qu'un être merveilleux dormait en moi. Je me suis levé un matin et je me suis dit, je suis Michael Jackson. Je suis Michael Jackson. Ça fait que je me suis pitché chez le dépanneur puis j'ai acheté ce livre-là. Ça s'intitule « On a tous un Michael Jackson qui dort en nous. Le trouble, c'est de le réveiller. » C'est écrit par une femme qui prétend être sa mère. Certaine Suzanne Lapointe. Et la préface est d'un de ses frères, un Paolo Noël. C'est en lisant ce livre-là que j'ai décidé de donner des cours de Michael Jackson. Pour la rentrée scolaire, je vous demande de vous acheter un petit kit de Michael Jackson. D'abord, des pantalons assez courts, qu'on voit comme faut que vos bas sont blancs. Vous pouvez toujours les faire chez un tailleur, mais ça coûte très cher. Moi, par exemple, j'ai été très chanceux, c'est André Gagnon qui faisait une vente de garage. Ensuite, un jacket, n'importe lequel, comme ça. Une fois que vous avez l'habillement de Michael Jackson, il faut avoir la coiffure de Michael Jackson. On sait que Michael Jackson a toujours les cheveux comme un petit peu mouillés. Ça, c'est parce qu'il se met une substance dans la tête qui s'appelle le gomina. C'est à déconseiller. Il y a des substances qui coûtent beaucoup moins cher et donnent exactement le même résultat. Comme par exemple, du beurre ou de la margarine Fleischmann, dépendamment du taux de cholestérol dans vos cheveux. Moi, ce que je conseille le plus, c'est l'huile végétale Crisco. Ce que tu fais avec ça, c'est que quand tu prends ta douche, après, toute la bouteille te revient sauf une cuillère à soupe. Si tu mets le bouchon dans ton bain, tu peux toujours te faire des patates frites après dedans. Une fois que vous avez l'air de Michael Jackson, il faut bouger comme Michael Jackson. On sait que Michael Jackson a développé un pas où il est comme ça, là. On dirait qu'il y a du vent qui le pousse et recule par en arrière. Plutôt que lui, il ne bouge pas pour ce paysage qui court par en avant. Ça, c'est un pas très compliqué qui s'appelle la marche à reculons. On apprend ça dans le cours Michael Jackson 202. C'est un pas qui peut être très dangereux s'il n'est pas fait prudemment. Il y a des façons de le faire sans se péter la gueule. Je vais vous donner un exemple de mon cours Michael Jackson 202. Musique, s'il vous plaît, M. Coin.
c'était le cours Michael Jackson 202. Une fois que vous avez travaillé pendant 3-4 mois dans la brouette, vous êtes prêt pour répéter le pas sur le plancher. Mais encore là, il faut être très prudent. D'abord, achetez-vous n'importe quel miroir d'Econoline chez Canadian Tire pour bien voir où vous allez quand vous reculez. Ou quand vous rentriez dans un autre Michael Jackson. Il y en a de plus en plus à la route de cet incite. Très important, jamais oublier de signaler avant de tourner, mais surtout ne pas faire de vitesse. On sait que la musique de Michael Jackson est très endiablée. Peut-être vous porter à reculer vite au début. Alors, s'il vous plaît, pour les premiers mois, je vous conseille de travailler sur une tune qui serait aussi populaire, mais beaucoup, beaucoup moins rapide. Je vous donne un exemple. Musique, s'il vous plaît, M. Gouin. Une fois que vous avez maîtrisé la marche en reculons, vous êtes rendu à la dernière étape dans le cours Michael Jackson et j'ai nommé le vidéo-télévision. Pour ça, vous écrivez une petite histoire simple. Vous en allez en char avec votre blonde. Le char manque de gaz. Votre blonde se choque. Vous marchez dans le parc. La brume sort. La lune sort. Là, vous vous transformez en genre de tapis de toilette avec des dents. Tout ça pour pas trop cher. L'idée, c'est de trouver du monde qui vont faire ça pour pas trop cher, mais surtout quelqu'un qui a l'air féminin, mais qui a la voix assez basse. Parce que moi, il faut que vous parliez haut comme ça toute la vidéo. Alors, moi, j'ai un ami qui est en ville, justement. Raymond. Comme un caméléon! Qu'est-ce que tu es là? OK, mon Raymond, mettons qu'on commence notre vidéo, OK? Aïe. OK. Mettons que là, on est en char, OK? OK. OK, mettons que moi, je suis chaud. Aïe. OK? Là, mettons qu'il mouille. OK. OK, là, mettons que le char manque de gaz. Aïe. Là, je peux te dire que le char manque de gaz. OK. Hey! On manque de gaz! Je comprends, tu as tous des cheveux. Et là, mettons qu'on marche dans le parc, là. Aïe. Puis là, je te dis quelque chose comme... Hey, tu sais, là, moi, je suis pas un gars comme les autres. Moi non plus, tu sais. OK, là, mettons que la brume sort, là. OK? Là, la lune sort. Aïe. Non, elle sort là. Aïe. OK. Là, la lune sort, puis là, moi, je tombe dans un genre de mal, OK? Qu'est-ce que t'as? T'as-tu trop bu de Pepsi, coudon, hein? Sac ton cœur! Do you really want to hurt me? Mesdames et messieurs, l'international, Jean-Yves Bonneau! Jean-Yves Bonneau! And now, ladies and gentlemen, let's go to the North American Music Corporation and a gum company. Oh, wow.
France dans les balles musettes. Par l'intermédiaire de Sydney Béchette. Bye.
alors que nous vous présentons le 39e épisode de La Petite Vie. Secrétaire, non, c'est mieux. Particulière, bonjour. Pour toutes sortes d'affaires. Et baptême! Tiens, si c'est pas mon mari. Ben oui, gardons ça, toi. J'aurais pas dû laver ta barbe à l'eau chaude, toi. Pas ça, c'est toi qui me fais de l'effet, t'sais. Pis, t'as-tu fini ton train? Quasiment, il me reste juste ma locomotive à sucer, là. Non, mais pas ton train de popsicule, ton train de vache. Ah, j'ai pas le goût de les traire à matin, là. J'aurais mis des chaudières et ça rencontre seul. Ça fait deux semaines que j'ai pas trayé. Ils ont le pied gros comme un nid de cochon. On boira des crotons, c'est tout. Pis... Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je le sais pas, je te le dirai à soir. Ben pourquoi tu finis pas ton train? Parce que je t'ai curé de manger des popsicles, maman. Je suis rendu d'estomac comme une patinoire, là, pour manger. Faudrait que tu manges du gros sel, ça t'aiderait. Ah, t'es comme, on me suçait à cheminer un peu, moi, là. Peux-tu te sucer le conducteur? Ah, ouais, donc, hein. Et que j'ai pas le tour avec ma bouche, moi. Sur mon moment, ça fait 25 ans que je le sais. Et baptême, les vidanges sont pas encore passées, là! Calme-toi avec les vidanges, je te mets un cadenas après. Et petite vie de petite vie. Bon, ça, je te gâche, c'est le téléphone, ça! Allô? Ouais, c'est le téléphone. Ça en vient, ouais. Mais c'est que je suis pas de bon. Ah ben là, je suis en train de sucer une locomotive. Non, j'ai fini de sucer le pont Jean-Cartier. Puis toi, qu'est-ce que tu suces de bon? T'es pas sérieux? Oh mon Dieu. C'est Thérèse, c'est votre fille. Ben oui, ça a l'air qu'elle a pogné la grippe. Et baptême, où c'est qu'elle a pogné ça, hein, maman? Ouais, où c'est que t'as pogné ça, toi? Ça a l'air que c'est son mari qui a donné. Ah, oh, le sacrement, lui! Ah, tiens-moi, maman, là! Tiens-moi! Ah, ouais, mais t'es trop loin, là! Maman, tenez tout seul, là, OK? Je le savais que c'était un courageux, lui. Mets ça, maman, mets ça, s'il vous plaît. Thérèse, une question de femme, là. Y a-t-il un bouton qui te pousse à la bouche quand tu fais pipi? Non? Mais où c'est qu'il a pogné ça, lui, pour l'amour du Chrysler, là? Moi? Ouais, où c'est qu'il a pogné ça, lui, dans son Chrysler, là? Ça a l'air que c'est en sortant ses vidanges. Mais ça, oui. Il porte-tu des vaculettes, ses vidanges, lui, hein? Ouais, il porte-tu des vaculettes, vos vidanges? Ah, pas de marqué. Passe-moi là. Bon. Vas-y. Allô, Thérèse, c'est papa. Écoute, pas de panique, là. Prépare la valise de tes enfants, là. Puis quand ils vont arriver de l'école, ben dis-leur qui prépare la tienne, OK? Bon. Et énerve-toi pas, là. Dis-toi que je suis là. Puis toi, ben, t'es chez vous, non? Déjà. Bon. Ben, j'ai rien contre les gars qui trompent sa femme, maman, mais pas quand c'est rendu qu'on apprend avant lui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je le sais-tu, mon maman, qu'est-ce que je veux dire? Pauvre Thérèse, elle qui a eu tellement ça se moucher. Ça y apprendra que je suis ton mari, c'est tout. En tout cas, elle a toujours sa place ici. Écoute, maman, on va y aller étape par étape, là. On va attendre que les vidanges passent, là, pour s'occuper de Thérèse après. Veux-tu, là? Lui et ses crises de vidange. Toi, ma vieille crise de vidange. En tout cas, il va savoir comment je m'appelle, son mari, moi. Non, mais il sait comment tu t'appelles. Ben, que ça arrange pour l'oublier, c'est toi. Alors, Raymond? Ben, tu signales pas. C'est trop en maudit, là, moi. Alors, Raymond, c'est ton beau-père, là. C'est quoi cette maudite histoire de syphilo gonon là, là, hein? Les condoms, Raymond, là, je suis pas des imperméables à moins d'eau, ça. Qu'est-ce que je dis là? Occupe-toi pas de ça. Là, tu vas aller me passer un beau test d'urine, là. Puis si je n'ai pas le résultat d'ici 4 heures, ben, je mets à quoi rouge après toi, Baptiste. Ah,
Bon, dis qu'oublie pas que VSP dimanche, puis là. Oublie pas que VSP dimanche, ça, là, là, hein? Bon, ça doit être mes vidanges qui ont pas eu la paix, je suppose. Oui, allô? Qui parle, là? C'est Pierrot. Ah, je suis pas reconnu. Mais c'est ça, pour des fous, ce matin? Il dit qu'il va aller faire un tour à l'émission Boubou, là, lui, moi-même, là. Mais ça, après, tu es fou, c'est plein de moments, nos complexes de jardin. As-tu compris, là? C'est plein de moments qui ont le complexe de jardin, là. Ben, il dit qu'il n'y a pas de danger, il va aller avec sa blonde, là, Roger, là. Ah, celle qui a une barbe, ah, là. La grosse barbe. Oh, mon Dieu, jolie, elle. Oui, oui, elle fait monsieur, elle. OK, mon bureau, là, lance-la pas, celle-là. Bon, ben, non, c'est déjà ça. Tu sais que j'aime donc pas ça le voir aller là, lui. Il a juste 39 ans après tout. À moins qu'on y aille avec lui. Mais tu folles ta maman d'un coup, le boubou lui demande de dire boubou, je reviens dans 2 minutes. Pas de panique, là, on va se pratiquer. Bon, fais ton boubou, toi, là. Tu sais comment je vais le chauffer le boubou, maman? Un petit peu, un petit peu. Un petit boubou. Bon, allô, tout le monde, ici le boubou. Bonjour, vous êtes madame? Oui, je suis madame. Ben, tant mieux. Et qu'est-ce que vous pensez de la bombe atomique que vous allez recevoir sur la tête un jour? Ah, j'aime bien ça. Bon, OK. Alors, vas-y, faites la bouboune, le petit coin, là. Allô, allô, tout le monde. Allô, bouboune. C'est ça. Bonjour, monsieur. Ben, non. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes grand-papa? Ça fait 8 ans, 5 ans et 3 ans. Est-ce que vous pourriez nous dire, Bobo revient dans 2 minutes? Non, ça, je suis pas capable. Monsieur, vous êtes sur les airs, là. Bon, d'accord. Alors, Boubou, il se retient 2 minutes. Non, regarde, deux minutes de Boubou, on en revient. Reviens-en, Boubou, de ton 2 minutes. Tu sais, reviens-en. Enfin, 2 minutes sans Boubou qui revient. Je le lire, moi-même. Boubou vient en 2 minutes. Quand? Voyons. On ne peut pas y aller de même, maman, là. C'est qui, hein? Là, pas j'ai pogné le sida, moi, là, là. Quand t'as gagné au bowling avec Gérard, vous êtes-vous embrassé après la game? Ben, certain, voyons donc. Ça a boule ou ça a bouche? Ça a boule, mec, la bouche, tu sais. Ben, pose-toi pas de questions, mon petit gars. Patin, dis-moi pas que je suis reviré fif, moi, là, maman, là. Alors, ce que t'as là, tu seras pas fif longtemps. Les petites vies, les petites vies. Où c'est que tu t'en vas, là? Ben, on va me chercher au vidange, maman. Ben, vous prenez bien le sac, c'est pas chaud dehors. Ouais, ouais, ouais. Mesdames et messieurs, l'incroyable Pierre Verville! Yeah! OK, défaillante. OK, il est dans l'enceinte, puis on dit. Alors, on est maintenant rendu à la partie cinéma du spectacle. Toi, Ding, est-ce que des films que tu as vus dernièrement, disons, tu sais? Je te dis que j'ai été malade. J'ai vu des films, mais plus chez nous. Je l'achetais chez nous. Finalement, je vais à la télévision. Puis il y avait un film, là. C'était ça, la mort du féministe. Là. Ça s'appelait Papa a raison, tu sais. Ça, c'est l'histoire d'un gars qui a des mantras à sa femme, là, tu sais. Il m'a demandé les oreilles à l'ombre. Il se prend pour Spock, je sais pas trop, là, tu sais. Il prend sa femme, il danse le dernier tango à Atari avec elle, là, tu sais. Continue, ça m'intéresse. Et Mamie, c'est ça, il attend dans le tour des guédailles, tu sais. Ça, c'est des prostituées de l'espace, ça vient pas tant ballon, tu sais. Non, mais sérieusement, est-ce qu'il y a un film que tu aurais aimé voir, disons, tu sais? Film, là, je vais aller voir. C'est les dieux sont tombés sur la tête, là, de me savoir ça, tu sais. Mais si fait compter, par exemple, là,
Pense une tribu, là, tu sais, une gang de braves. Oui, finalement. Tu sais, eux autres sont bien cassés, tu sais, fait que. M'en est, il y en a qu'une bonne idée d'essayer d'aller vendre des bouteilles vides, tu sais. Ils partent juste avec une bouteille, puis après 300 000, puis ça va savoir qu'ils sont pas tournants. Ah, faut que je te dise, mon dingue, je vais voir un film qui s'appelle Star Wars, tu sais. Ça, c'est l'histoire d'un star vénusien. Il est invité à la galaxie qui tombe dans la lune. Et des voyants. Alors là-dessus, mes messieurs, on passe à notre premier invité. C'est quelqu'un qui se prend pour Pierre Lalonde. Dans le fond, c'était bien lui. Je vais essayer dessus, moi, tu sais. Mes messieurs, Pierre Lalonde! Entre dans mon lit, laisse-moi t'abrayer, ta main à l'infini, on pourrait s'envoler. Donne-moi ta main et ne pense plus à rien. Auprès de mon lit, comme tu as joué. Quelques allumes feu là entre nous deux, je t'offre mon humeur, c'est la recette du bonheur. Glisse ta main dans mes cheveux, regarde, ils sont soyeux, frais lavés pour nous deux. Maintenant, soyons heureux. Wow! Où êtes-vous, petite dentelle? Est-ce que vous êtes au rendez-vous? Vous me semblez toujours plus frais là, et mon regard tout aussi flou. Où êtes-vous, petite donzelle, vous qui en perdiez le réveil, dans votre cœur méritournel, priez d'un éclat sans sommeil. Où êtes-vous, Rita la galeuse? Que faites-vous, Louise la crouleuse? Que croyez-vous, Lola l'effeuilleuse? Où êtes-vous, mon grand amour, la dame en bleu? Croyez-vous, mes petites donzelles, j'ai un secret des plus irritants. Depuis 20 ans, je vous émerveille en jouant le rôle d'un amant. C'était notre pot pourri. Maintenant, on va y aller avec un petit numéro de métamorphose physique. Là. Vous allez essayer de deviner ce qu'on imite. Vous bien. Faut que t'en sur mon gain. Tiens-toi. Michael Bossy. À mon tour, la présente.
Déjà une autre blague de terminée. Tantôt dehors, tu vas te déstationner. Demain, ce sera une autre journée. Après, viendra d'autres journées, on se voit quand même. Soirée des